Bernadette Kelly, bonjour. Alors, on entend direct toujours de la galerie Atrial. Ce matin, on était avec la galeriste et puis là, on est avec l'artiste. Donc, Bernadette Kelly, l'artiste qui inaugure son expo demain vers les 11h, c'est ça, à peu près ? Comme ça, oui. Donc, on montre, voilà, c'est de la peinture. Alors, on nous l'a dit, vous avez inauguré la galerie. Oui, mais j'ai déjà fait une exposition. Il y a 8 ans de ça. Comme ouais. Ça, ensemble en 2009. Voilà, et donc là, pour marquer le coup, pour la transmission donc, de Vincent Noiret qu'on a croisé. Oui, avec Céline. Et Céline Marcadon. Bon, ben hop, symboliquement, on reprend Bernadette Kelly. La même dame. Alors, c'est de la peinture. Est-ce que. Comment vous définiriez votre travail ? D'une part, et le travail qu'on voit là qui est présenté maintenant, est-ce que vous avez évolué ou est-ce qu'avant vous faisiez de la vidéo et du collage, que maintenant vous êtes mis à la peinture ? Non, j'ai toujours fait de la peinture depuis très longtemps. Oui. Voilà. Donc vous avez commencé quand ? Dans ma jeunesse, vers 20 ans, 25 oui. ans, quoi. Et puis j'ai fait des expositions dans différents endroits. J'ai eu une galerie à Paris. Ça s'appelait Mira Jacob. Ouais. J'ai aussi une galerie où j'ai exposé. Et là, j'ai rencontré Jean-Pierre Fossini. Mmh. On m'a sympathisé. Propriétaire de la galerie. Oui, et puis là, il aime bien ce que je fais. Donc voilà, on a décidé de faire une exposition à Perpignan. Voilà. Une ville que j'aime beaucoup. Vous avez raison. Mais parce que vous y faites du tourisme, moi j'y vis, c'est pas là. C'est pas alors, je n'habite pas Perpignan. Mais en fait, c'est une ville que je trouve très belle. Oui. Aujourd'hui, il y a un ciel bleu splendide. Voilà. C'est peut-être pas toujours le cas, mais enfin. Non, il y a 3 semaines, on avait un temps pécrave, mais. Enfin, de toute façon, c'est quand même mieux que Paris. Oui, parce que déjà, il n'y a pas autant de pollution. Ben, ça, vous avez bien raison. Ben, tout l'intérêt de ne pas avoir d'industrie, c'est qu'on n'a pas de pollution. Ben, voilà. Non, bien sûr. Enfin, la pollution de Paris ne vient pas que de l'industrie française, c'est les Allemands aussi avec leur lignite qui polluent un peu. Bon, enfin, sinon, Paris, il y a des chars. Oui. Et puis, quand on est artiste, au moins en termes de visibilité, Paris, c'est. Non, mais moi, j'aime habiter Paris, j'y habite depuis très longtemps. Oui. J'ai mon atelier là depuis des années. Dans quel secteur de Paris ? Vous connaissez le 11e arrondissement, oui. Vous connaissez ? Ah ben, il se trouve que le peu de temps que j'ai résidé à Paris, j'étais dans le 11e. Ah ben, voilà. Donc, c'est entre la Bastille et la République. D'accord. J'ai un assez grand atelier où il y a dans mon voisinage beaucoup d'architectes. Aussi. C'est des gens très fréquentables. Ben non, tout à fait. Je suis très content d'être là. Et on se connaît, on a une bonne ambiance. Ouais. Alors, on est ici donc à Perpignan. Qu'est-ce que vous exposez ? Alors, vous allez me dire, bon, des peintures, ça j'aurais constaté. Mais comment vous pourriez définir l'ensemble de ce que vous présentez dans l'expo qui s'inaugure demain ? Je rappelle comme ça les gens. Alors, il y a un ensemble, un mélange de choses un peu anciennes et oui. D'autres récentes. D'accord. C'est le choix de Jean-Pierre, il vient dans l'atelier depuis longtemps, il a fait ce choix pour le mettre dans la galerie. C'est quelque chose qui ne lui a plu, je suppose. Donc là, on a une peinture, parce qu'on parlait d'eau chaude et pas de oui. robinet, mais. Ça, c'est un tableau que je vous ai raconté, que j'ai fait dans la région de Padoue, où il y a oui. des sources. Donc en Italie Oui, en Italie, oui. Dans les Dolomites Tout près des Dolomites. Oui. Donc, c'est des sources d'eau chaude qui alimentent les piscines de cet endroit. Voilà. Et j'ai tout apprécié, évidemment. Ah, ça a l'air très sympa, esthétiquement. Il y a des colonnes. On se croirait à Rome. Hein. Mais vous savez, c'était une ancienne villa de Néron. Ah. Voilà. Donc, il reste des vestiges de la villa de Néron, qui est sous l'hôtel. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ces colonnes. Genre. Alors, on a des tonnes... Et alors, ce qui était oui. amusant dans cet endroit, c'est que on avait l'obligation de se promener dans les couloirs avec ces grands peignoirs bleus. Oui. Et donc, ça donne le côté moine. Oui, voilà, oui. Mais c'était assez sympathique. Alors, il y a des paysages, vous travaillez du très petit au très grand. Oui, parce que j'aime bien faire des grands tableaux, mais enfin des petits aussi, puisque je fais quelquefois de par mes grands tableaux en faisant des petits d'abord.
Donc, le travail. Est-ce que vous avez des couleurs préférées, une ambiance de couleurs préférées, ou en fait, vous faites tout ce qui est. Les couleurs, ce sont mes couleurs. Je veux dire, elles viennent de moi. Je peux pas dire que je les ai prévues d'avance. Oui, oui. Elles sont mon ambiance personnelle, quoi. Oui. Donc, c'est le spectateur qui peut définir ces harmonies de couleurs particulières. Mais pas dire que je les choisis, ça lui vient toute seule. Oui, donc c'est l'instinct qui vous dicte la couleur, si je puis dire. Oui, si vous voulez. Oui, oh, je veux, si vous vous permettez aussi. On est entre gens de bonne compagnie. Bon, je l'espère. Alors, j'aime bien aussi, je fais des paysages, mais j'aime beaucoup peindre des personnages, j'ai des modèles qui posent pour moi. Oui. Donc, en particulier, la jeune fille là-bas. Oui, ah oui, d'accord. On l'a filmé déjà ce matin. Et donc voilà, et alors, c'est une carrière qui s'étale sur combien de temps ? Bah, ça fait bien une quarantaine d'années. D'accord. Et alors, c'est un métier. Est-ce qu'il y a des évolutions dans le marché de l'art ? Parce que malheureusement, on est lié au commerce, si je puis dire. Bah, si je veux, oui, bien sûr, on est soumis à la loi du marché, d'une certaine façon. Et enfin, j'ai tout de même une clientèle régulière. Oui. Travail. Vous êtes une panne cotée, on doit le rappeler à nos chers téléspectateurs, si je puis dire. Je peux leur dire, oui. Enfin, je ne sais pas comment qualifier ma cote, mais enfin, elle existe quand même. Voilà. J'ai des amateurs qui me connaissent. Non, mais c'est très joli, je veux dire, il faut être aveugle pour ne pas s'en rendre compte. Mais justement, entre un marché de l'art qui ce qu'on appelle l'art contemporain, qui alors, est très conceptuel, et vous qui êtes dans le figuratif. Non, mais j'ai toujours poursuivi la peinture figurative, c'est ce qui me plaît. J'aime peindre des personnes. Vous n'avez jamais fait dans l'abstrait, par exemple. Toujours. Pas. Ouais. Non, parce que là, maintenant, en fait, on a des œuvres, les nouvelles œuvres, je parle, où, là, bon, par exemple, on regarde, on sait de quoi ça parle. Après, on devine pas forcément que ça se passe de. Il faut poser des questions sur le tableau, mais le spectateur, il voit des choses, et il peut les interpréter à sa façon aussi. Mais bon, on sait plus ou moins où on est, si je puis dire. Alors oui, que, bon, il y a des choses qui ont été exposées à Versailles récemment, ou Place Vendôme. On passe plus de temps à expliquer ce qui est présenté qu'à constater le truc. C'est agréable à voir, on est rassuré, ça fait du bien. Moi, je dirais que c'est une peinture qui fait du bien. Bah, tant mieux. Qui a un rapport à la tranquillité. Oui, une certaine. Un regard sur le monde, au fond. J'aime bien les jardins, j'aime les plages, j'aime les gens qui posent, qui se déshabillent devant moi. Oui. Non, mais c'est bien, parce que c'est agréable à voir, il y a la douceur. Est-ce qu'il y a des peintures violentes chez vous ? Est-ce que ça arrive ? Ou tout ce que j'ai vu, là, c'est... Non, ah, ça fait du bien, comme on dirait une tasse de thé, tellement ça fait du bien, je dirais. Bah écoutez, c'est bien, ça peut être mes origines anglo-saxonnes. Ah oui, alors Kelly, est-ce que c'est irlandais ? Bah, tout à fait. Oui. Voilà, parce que ça a l'air gros comme ça. Ah, non, vous avez raison, c'est un nom d'origine irlandaise. Et alors, vous venez de quelle Irlande ? De quelle partie de l'Irlande ? Parce que c'est quand même grand, cette histoire. Eh bien, je crois que son grand-père qui est venu, il était de la région de Dublin. Oui, c'était un Dubliner, comme on dit. Hein? Un Dubliner. Oui, voilà. Oui. Et il atterrit où ? Puisque vous êtes à Paris et vous avez non, toujours été à Paris. Il est venu avec sa mère en France. Ouais. Et cette mère avait un commerce de dentelle. D'accord. Paraît-il. Et voilà, c'est comme ça qu'il est venu à Paris. Donc, et après, vous avez eu un père, une mère, eux, ils faisaient quoi ? Alors, comment on arrive à avoir une fille peintre en finish ? Écoutez, je ne sais pas, mon père était ingénieur, oui. Plutôt, et mon frère aussi, donc c'est plutôt des gens qui aimaient les mathématiques. Oui, voilà. Je suis la seule de la famille à m'être lancée dans ce genre d'aventure. Genre, c'était ça ou drogué, donc vous avez choisi artiste plutôt voilà, que drogué pour embêter la tradition familiale. Non, je crois que quand j'étais enfant, ça, oui, oui, ça se voit. En tout cas, s'il y a enfant, ce n'était pas le cas, vous êtes rattrapé. Alors, mon père était un homme charmant qui m'a laissé faire ce que je voulais. Oui, c'est pas évident. Non, c'est pas toujours évident. J'ai mis ses grés de ça.
Donc, qu'est-ce alors, qui... Alors, j'ai fait une école tout de même. Oui, parce que bon. Qui est une très bonne école à Paris. On apprend pas seulement la peinture, mais aussi des arts graphiques, enfin, toutes sortes de choses. Bon, ben, j'avais choisi cette école pour pouvoir gagner ma vie quand même, indépendamment de la peinture. Parce oui. C'est pas évident quand on et oui. fait ça. Mais j'ai eu comme patron un peintre qui est assez connu, qui s'appelle Gromaire. Oui. Voilà, qui était un professeur. Oui. Déco. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Parce que là, je vais tomber en rate de batterie, me dit mon téléphone. Alors, on va se lever, on va se faire une petite balade, Bernadette. Bien sûr. Hop là. Non, je vais pas tout prendre, moi, mes trucs, parce que j'ai la pâtée pour chat. Allons-y. Donc, faites-moi une petite... Oui, voilà, à mon avis, c'est... on prend pas grand risque. Non. Alors, racontez-moi deux ou trois petits trucs. Là, on se balade, on voit les choses. Alors, vous voyez celui-là, c'est un petit peu un souvenir de vacances à la campagne. Ouais. J'ai réuni des paysages que j'ai peints et puis des personnages qui ont posé pour moi et que j'ai mélangé pour en faire une sorte de petit paradis. Oui, mais ça, c'est à quoi ça, ça ressemble. Donc, on a cette personne qu'on a filée ce matin, donc qui vous venez faire poser dans votre atelier, et le banquier, enfin, il ressemble à un banquier détendu. Peut-être au banquier anarchiste de Pessoa. Non, il n'était pas banquier, mais il était ambassadeur en Iran. Oui. Et il était amateur de mes tableaux, donc il s'est proposé de poser pour moi. Voilà, donc c'est plusieurs. Non, il est un homme charmant, mais c'est très agréable. Il aime beaucoup les livres et on discute beaucoup. Enfin, c'est ce qu'on appelle une personne lettrée. Alors on va descendre, on va faire gaffe. Parce que c'est la figure. Voilà. Ou alors il faudra un cascadeur, voilà, 1, 2, 3. Oh la galeriste. Voilà. Alors, il y a des gravures, non? Voilà. Donc j'ai parallèlement toujours fait de la gravure, c'est de l'eau forte. Et j'ai appris la gravure aussi. Aux arts déco. Alors, est-ce qu'il y a un catalogue pour cette expo ou est-ce qu'il y a des livres de vous qu'on peut acquérir? Alors, il y a un livre que j'ai fait, là. Oui. Donc, dans ce livre, il y a un ensemble de gravures, de photos de moi aussi que j'ai faites, qui m'ont servi à les gravures. Et puis, il y a des aquarelles et des gouaches qui ont été peintes sur un ancien livre de contes. D'accord. Vous voyez... Donc on voit les écritures, j'ai peint à la gouache sur. Donc on a fait un sort de facsimilé de ces peintures. On a un très bel autoportrait en gravure, je ne sais pas si ça va bien. Oui, ça passe. Oui. Voilà. On continue à se balader. On va aller jusqu'au bout et puis on se dira au revoir demain pour l'inauguration. Très bien. Alors, donc, l'ambassadeur, pas le banquier. Alors, ça, c'est une jeune fille charmante. Oui. Qui s'appelle Clara, et qui pose pour moi en ce moment. Voilà. Jolie. Il y a une sorte de déjeuner sur l'herbe et le sable, là, qui est là. Oui, des gens sur une plage. Voilà, hop, on continue. Hein. Ça n'a rien à voir, c'est pour être sûr. Voilà. Encore des piscines, c'est bien les piscines. Oui, moi j'aime nager. Ah, ben vous aussi. J'adore. Je fais le bateau et la natation. Alors là, c'est au Brésil. Oui. Mon frère a travaillé au Brésil, ce qui fait que je suis allé plusieurs fois. Dans le nord du Brésil, un bel endroit. Parfait. Alors, on ne va pas aller plus loin parce que là, c'est le Wi-Fi qui nous manque. Bah, voilà. Alors, on s'arrête. Alors, donc, Bernadette Kelly, on vous retrouve demain matin à 11h pour l'inauguration, place Rigaud, à la galerie Artrial. Bernadette Kelly, merci beaucoup. Merci, vous aussi.